Les mêmes arbres, les mêmes casiers. Donc j'avais mon casier ici d'ailleurs. Non, il était vraiment là mon casier. Un de ceux-là. Cela faisait 18 ans qu'elle n'était pas revenue dans son ancien lycée. Noémie Merlan a pu ainsi retrouver son professeur d'économie et celui d'art plastique, ses deux matières préférées, un retour aux sources non dénué d'émotions. Je suis hyper émue parce que ça fait quand même presque 20 ans. Et je rêve beaucoup de ce lycée, j'adorais ce lycée, j'adorais l'école, parce qu'on avait des profs super. L'actrice et réalisatrice s'est ensuite dirigée vers le cinéma Saint-Paul. Elle a répondu pendant 2 heures aux questions d'une centaine de lycéens. Ses débuts, les castings, les tournages, toutes les facettes du métier sont évoquées. J'ai dû attendre longtemps avant d'avoir un agent, mais de ne pas baisser les bras. J'ai dû passer des centaines de castings où on m'a dit non avant qu'un jour on me dise oui. Leurs questions, elles étaient sincères, elles étaient pertinentes, intéressantes. J'adore, enfin, j'ai passé un super moment. On fait du cinéma pour ça aussi, surtout pour dialoguer avec le public. Donc dialoguer avec la jeunesse, c'est encore plus chouette. Quand on voit des acteurs comme ça dans les films, ça nous paraît tellement lointain. Et donc je pense que ça a un côté rassurant dans le sens où on se dit que c'est pas impossible et qu'on peut y arriver si on en a vraiment envie. Pour moi, je pense que c'est vraiment un message qui dit qu'il faut aller là où on a envie d'aller et des fois le destin nous aide un peu à accomplir nos rêves. Cerise sur le gâteau, à la fin de la séance, les lycéens ont pu tenir dans leurs mains le César que Noémie Merlan a reçu en 2023 pour son interprétation dans le film L'Innocent de Louis Garrel.